Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Ça fait la quatrième. Alors aujourd'hui avec un smartphone de la marque XJODY, donc du low cost. Alors il fait, attendez, il fait tac tac 73 euros. 73 euros, il existe une version standard. Ah non, ça c'est les cartes SD. Il existe en rouge, en dégradé de noir et dégradé de bleu. Alors moi celui-là je l'ai reçu il y a longtemps, mais il y a un petit souci, j'attends une coque. Que j'ai toujours pas reçu. Du coup, j'ai dit, écoutez, hein, je fais là, de toute façon, je m'attends pas à avoir un truc de luxe. Donc, XJODY, c'est une toute petite marque qui fait des petits low cost encore. Et bon, 73 euros, c'est plutôt correct. Je sais pas ce que ça vaut vraiment. On va voir ça ensemble. Le câble avec chargeur micro USB. Donc, il n'y a pas de type C. Je sais même pas, c'est un téléphone qui est sorti quand. Alors là-dessous, il y a quoi? Est-ce que j'aurai la chance d'avoir. Une coque. Oh bien. Alors, un verre trempé. Bon, c'est plutôt complet. Un film de protection et la coque. Voilà. On va jeter tout ça. Hop. Poubelle. Donc, si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours voir des téléphones. Je ne dis pas mauvais, mais téléphone low cost, tu peux t'abonner ou tu peux faire un petit don si vraiment tu nous aimes vraiment à fond de la folie de l'amour. Hein. Tu t'abonnes directement. Hein. Tu peux nous envoyer un don sur Tipeee ou directement que le bouton rejoigne sur YouTube. Tu verras, tu auras des avantages. À toi de regarder. En fait, c'est ça qui doit. Regardez. Je les ai contactés et en fait, il y a un défaut de fabrication. Là, ils n'ont rien compris au début. Et en fait, j'avais rien compris non plus parce que je ne savais pas que c'était une coque qui s'enlevait. Au début, j'ai cru qu'ils voulaient m'envoyer l'arrière et que je devais le faire moi. Et en fait, ils m'ont expliqué que c'était une coque amovible. Donc, ça, c'est un bon point, la coque amovible. Avec la batterie amovible, ça, c'est bien. Batterie de. C'est où? Batterie de 3000. Ouf. Ouf, 3000. Je vais partir avec le chargeur. Hein. Je vais partir avec le chargeur. Les bandes 4G, il a la B20. C'est déjà bien. Donc, double nano SIM plus carte SD. Ouais, ça a l'air d'être ça. Une en haut, une en bas, ça a l'air d'être ça. Voilà. Donc, la coque qui s'enlève. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui recherchent ça. Alors, c'est le deuxième XJODY, hein. La coque qui va avec, que je fais. Voilà. Un écran. Je sais même pas si c'est de l'IPS. Je sais pas. Alors, ah oui, c'est. Alors le film dessus, il est horrible. C'est comme l'autre. J'ai pas réussi à l'enlever sur l'autre. Il est collé dessus à la super glue, c'est pas possible. Alors, au niveau des caractéristiques, donc c'est un téléphone qui coûte pas cher. Hein. Oula, l'animation. J'avais oublié. 76 euros. Voilà, on attend que ça finisse. 73 euros le téléphone. Alors, c'est quoi? Ah, bah, attendez, vous savez quoi? Hop. On va faire à improvisation totale. Alors, c'est marrant parce que je vais vous montrer un peu les. Vous allez rigoler. Oh, j'arrive pas à mettre l'ordi. Oui, je sais pas, j'ai pris l'ordi aujourd'hui. J'avais pas pris envie de prendre la tablette. Je sais pas, j'ai pris l'ordi. Alors, nanana, 3000 de batterie. 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne. A90 Pro 3 couleurs, 2 Go de RAM 16. Alors faut savoir, là tu me dis 1,8 et là tu me dis 2,16. J'espère que c'est 2,16. Je vais prier pourvu que ce soit 2,16. 3000 de batterie, un écran 6,6 full view display. Nanana, léger, 3 couleurs, super, monsieur prend de belles photos avec. 2,16, alors 2,16 apparemment, j'espère. Et tu peux mettre jusqu'à 32 Go. De carte SD, c'est pas énorme. Processeur 6737. Donc il y a la B20, 3000 de batterie, ça existe encore ça. 5 mégapixels l'appareil photo à l'arrière. Ah, regardez! Ça c'est marrant. Et au moins ils sont honnêtes. Une caméra principale et trois fausses. Android. Ah non, il y a Android 10. Il a quel âge ce téléphone? Pourquoi il m'envoie le téléphone il y a 2-3 ans? Je suis trop gentil. Je suis trop gentil et en plus je fais ça gratuit. Je n'attendais pas grand-chose, ce téléphone à petit budget, mais il fonctionne bien. Bah, écoutez, le principal c'est ce qui fonctionne, non? Ouais, on va dire ça. Allez, bon voilà. Ah, bon, on va s'intéresser à la bête. Après, j'ai le montage à faire. Là, j'ai fait 4 vidéos. Tac, tac. Alors.
Limité à fond là. Ça reflète, c'est atroce. Et comme bien sûr, comme l'autre, impossible à enlever ce film. Bon, bah écoutez, on va faire avec. Une petite photo? Une petite photo. Qu'est-ce qu'on peut choisir? On peut choisir le 16/9e. Après, c'est possible que je fasse que le déballage. Je vais voir. Non, en tant que professionnel, je vais en faire le test. Oh là là, c'est propre. Non, c'est une blague. Voilà. Déjà, l'écran, il est pas très joli. C'est pas détaillé du tout. Faut pas zoomer, en fait. Bon, après, tu cherches un téléphone qui marche bien, qui t'as que 60, c'est 73 euros. Après, bon, j'essaie de voir si il sera quand même agréable à utiliser. Bon, en photo, c'est pas ça du tout. En photo, c'est pas ça du tout. Launcher. C'est un launcher, il y a tout sur l'écran, il tourne en boucle, peut-être qu'il y a des petites options. C'est ça l'air d'être un launcher personnalisé. Ah non, il y a, non, c'est bon, il y a un tiroir d'application. Bon, on verra bien. Comment on remonte, voilà. Donc c'est bon. Bon, voilà, c'était déballage et première prise en main de ce X-Judy. X-Judy A90 Pro. Allez, sur ce, bisous, ciao, ciao.